À l'occasion du tirage au sort de la Coupe du Monde, révisez votre football avec BBC Afrique. Vous avez raté les qualifications du Mondial 2018. BBC Afrique vous a concocté une séance de rattrapage avant les tirages au sort de vendredi. Quelles ont été les équipes les plus impressionnantes en qualification? L'Allemagne n'a pas perdu de finale ni de match de qualification depuis la demi-finale contre l'Espagne en 2010. Pendant les qualifications de 2018, le champion en titre a décroché avec brio 10 victoires sur 10 marquant 43 fois avec seulement 4 buts encaissés. La Belgique, l'Espagne et l'Angleterre ont tous été invaincus en qualification. Le Brésil s'est qualifié pour les qualifications sud-américaines mais seulement après avoir remplacé le sélectionneur Dunga par titre. En Asie, l'Iran a aligné une série de 18 matchs sans défaite. Et le Maroc n'a concédé aucun but en 6 matchs éliminatoires, terminant en tête devant la Côte d'Ivoire. L'Islande est le seul pays ayant moins d'un million d'habitants à n'avoir jamais été qualifié pour une Coupe du Monde. La qualification pour l'Euro 2016 a été le premier tournoi majeur du pays. Le Panama va également participer à sa première Coupe du Monde grâce à sa victoire face au Costa Rica. Le plus grand choc vient des pays européens. Quatre fois champion du monde, l'Italie a raté les qualifications du dernier mondial pour la première fois depuis 1958 en perdant contre la Suède en match de barrage. Les Pays-Bas, la République tchèque, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Autriche, la Bosnie-Herzégovine et la Turquie sont les autres pays à s'être inclinés dans les phases de poule, la République d'Irlande, l'Irlande du Nord et la Grèce perdant dans les matchs de barrage. Hors continent européen, les États-Unis ne sont pas parvenus à se qualifier pour les playoffs. C'est la première fois depuis 1986 qu'ils ne participeront pas à une Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Ghana qui étaient tous au Brésil en 2014 sont les grandes nations africaines absentes de la compétition.